L'aventure The CV continue avec les entretiens à l'aveugle. Nos 30 candidats sont fin prêts pour faire leur promotion professionnelle. Attention, ça commence. Et on va accueillir maintenant notre premier candidat. C'est Soraya qui se lance la première dans l'arène. Souvenez-vous, elle voulait devenir horlogère. Pour après, plus tard, plutôt vendre les montres, faire du marketing. De la motivation minutieuse et précise, les qualités de Soraya devant un jury, ben ça donne ça. Et de 4, Soraya choisit de rejoindre l'équipe de Claudio, coachée par l'explosif Virginia. Et les candidats se suivent mais ne se ressemblent pas. Sage-femme, assistant en santé et soins communautaires, avocate, employée de com, défilent devant le jury qui aime ça, mais qui aime quoi en fait? J'ai également aimé ta présentation. On sent que c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est mûri. J'ai vraiment apprécié dans la présentation, la persévérance. Tu as montré beaucoup d'enthousiasme. Voilà, voilà. Pendant ce temps, on ne chôme pas dans les équipes avec les coachs qui ont chacun leur petit leitmotiv. Collaborer pour gagner. Esprit d'équipe. Motivation. Donne le meilleur de toi-même. C'est maintenant qu'il faut se creuser les méninges parce qu'il va falloir se produire sur scène. Pas facile car les candidats arrivent au compte-gouttes. Alors comment ça se passe chez Frédéric, le coach d'hôpital neuchâtelois? Ça se passe bien, j'ai un super talent. On assure déjà avec une équipe unique. Normal, il est un peu tout seul en même temps, mais ça ne va pas durer. Du côté de chez Service de Toit, avec Gabriel, on est déjà plus nombreux. Donc on a le concept de base, vous êtes d'accord? C'est quoi le concept de base? Le concept de base, c'est que pour changer, c'est les employés qui recrutent leur patron. Ça, c'est du concept. Chez Vincent, pour Officine et Panerai, on donne dans la comédie musicale, visiblement. Noémie est chanteuse, et puis Bouchra va danser. Et puis on attend de voir si on a d'autres personnes qui nous rejoignent. Oui, ce serait bien quand même. Reste à voir ce qui se passe du côté de chez Migros avec la coach Virginia. On a une heure pour leur faire faire un petit peu un sketch en intégrant des mots comme autorité, respect, ponctualité, motivation, intérêt. Le théâtre, c'est une première? Ouais, c'est une première. Alors, qu'est-ce qu'on t'a donné comme rôle? De faire le gars de la cité, en fait. Et alors, à l'aise ou pas? Ouais, à l'aise, ouais, ah, tranquille. Ouais. Okay. La semaine prochaine, il y aura de l'ambiance, des cris de guerre et des délibérations.